Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page.
Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. On est arrivé. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal ? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat.
passera par les pas de foutues sorties dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis.
Bon sang. C'est pas mal. Eh oh, y a quelqu'un. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé.
Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé ici ?
Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Tout est en train de partir en morceaux.
Turner. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça doit sûrement être la sortie. Il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Putain, mec. J'entends des bruits de partout. Le moindre craquement est... Toi, le cul, tu veux. Turner, j'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse... reculer. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris ? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous savez-vous ? Très bien. La plainte est la suivante. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne ne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les marshals? Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. J'ai déjà dit, non? Je te jure. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment... Putain. J'écris trop. Personne n'est venu. Je me l'épelle ici. Je crois que cette saloperie marche même pas. J'ai de l'entretien, Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist? Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je
Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non ? Dur à cuire, c'est ça. Turner. L'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. C'est toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il pourrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici.
Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. Pourquoi t'as dit qu'ils l'avaient vu? Donc, c'est des gens qui en réchappent. Si on veut pas, on part. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Des amis à toi? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. Ils aiment pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de ça, petite. Si tu veux y aller, leur faire beau, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement seuls. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Ça va faire une semaine que je me tais ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. On peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Allez, t'attends quoi là? Ramasse la lampe torche. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Et maintenant? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive.
par ici. Tu vois, je gère, Fougère. Très prudent de s'attarder ici. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça ? Attends. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Comment vous faites ? Ils sont armés. Et beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque ? On est obligé de passer par là pour atteindre la porte au bout. Comment ? Faut faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. Plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier ? Moi ? Pourquoi ? Tu te serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que t'insinues exactement ? Hé, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé ? J'en reviens, justement. Il n'a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Boss ? Boss, c'est un putain de caissier. Et alors ? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks ? Enfin, pour ça, il faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable. Direct, tout fonctionne ? Comment tu peux le savoir, Einstein ? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Ah bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité ? C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat ? Ça devait être un... Fais pas de bruit, ils sont encore dans le coin. Thank you.
encore loin? On y est presque. Le transit est juste là. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse, maintenant! Hé, hey, bande de bâtards! Tuez-les! Bouge! Merde, je crois qu'il est mort. Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? Chut. J'entends quelque chose. Attends. Axel? J'en ai sur moi. Et un peu excitant. C'était quoi ce truc? Faut pas que je m'arrête. Excellent. Thank you.
Cette station dessert Sixon Communication Technologies, Sixon Scientix et Gemini Exoplanet Solution. Les gars, par ici, il y a quelqu'un ici.
son tonniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données.
bon sang. Bon sang, la boîte noire. Quoi? Non! Putain, merde! Thank you.
Marshall Waits. Ici Chief Porter de l'assistance technique. Écoutez, il n'y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je ne sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, miette. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour durer. Alors souhaite personne à bord du Nostromo à faire en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman les fasse du système. Pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Tu peux savoir en quoi c'est une tâche prioritaire ? Look. What?
Thank you.
compris. Bon sang. La boîte noire. Quoi ? Non ! Putain, merde ! Ok. Ok.
Mm-hmm.
Ça fait mal. Ah, ça fait mal. Sortir un peu pour souffler. Thank you.
écoute-moi bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Va chercher Claire, prends le chat et rentre à la maison. Il faut qu'on trouve un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. J'ai aperçu le type du hall, je me souviens plus de son nom. Celui qui a une casquette de baseball sale et une odeur bizarre. Il avait quelque chose dans son manteau, je crois que c'était un flingue. Il m'a complètement ignoré. Ne parle à personne, ne dis pas où tu vas. Je te rejoindrai dès que possible. Tellement la merde. Who wants to sing?
Comment ça, mais je suis ici.
Arrache. Les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception. Hey, mon nom est Ripley. Amanda Ripley, j'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Préoccupé de rien, Sixon vous fait cette promesse. Votre confort est notre priorité. Ah! Non!
C'est une sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Y a-t-il un problème ? Marie, si j'avais ta ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Ah!
Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons. Trouvons une solution à l'amiable. Peuvent se présenter au sein des digues le plus proche. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Forcément un autre chemin.
Allez. Cœur central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Station vous est agréable. Veuillez me faire savoir.
Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ici Verlaine du Torrens. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station.